Rémy Mouton, Trahison, prise 2. Aujourd'hui, je suis meurtri. Mon cœur est déchiré. De l'intérieur, je suis brisé. On m'a touché, je suis blessé. Je fais semblant de me relever sans pour autant montrer ma déception. J'essaie de mettre un pansement sur cette blessure. Mais pour l'instant, elle ne veut pas cicatriser. Cela va mettre du temps me connaissant. Va savoir. C'est peut-être cette colère, ou plutôt ce dégoût, qui m'empêche de pardonner. Cette envie de vomir mes tripes pour ce que j'y repense. Dans tout ça, où est passée l'honnêteté? Cette complicité, pour le comportement de certaines personnes, je suis dégoûté. Elles se disaient être votre amie, sincère, franche, loyale, aimante. Mais dans la réalité, c'est que du blabla. La vérité, c'est qu'une fois que j'ai le dos tourné, elle n'hésite pas à me poignarder. Car il y a une chose que je déteste et que je peine à pardonner. C'est la trahison. J'en veux pas dans ma maison. J'ai raison. Tout ce qu'elles ont gagné, c'est une amitié gâchée après tant d'années. Aujourd'hui, je suis meurtri, déchiré, brisé, blessé. Je vais m'en remettre sans aucune difficulté. Mais j'ai décidé d'effacer certaines personnes de mon monde réel. Tant pis pour elle. Alors je vais continuer à rester dans mon univers. Là-bas, rien ne m'atteint. Heureusement, car mon monde à moi n'est pas cruel!